Cette interdiction devrait être temporaire parce que l'interdiction devrait être un message à la société de voiturage pour qu'elle contrôle ses employés. Il faut identifier tous les employés. C'est triste parce que c'était une application à laquelle on pensait pouvoir faire confiance. On choisissait juste un taxi, on avait le pouvoir de le faire et de bouger avec. Cet incident a bien sûr choqué tout le monde et tous les gens qui utilisent Uber vont maintenant réfléchir à deux fois avant de réserver.